centre de l'oreille, c'est un spectacle à la fois didactique et musical. Didactique parce qu'il explique le fonctionnement de l'oreille. Et puis donc, c'est accompagné de séquences musicales électroacoustiques, puisque voilà, c'est toujours la musique que défend la compagnie Inouïe. Il y a une volonté dans la compagnie d'avoir en permanence plusieurs propositions de spectacle. Et si possible, d'avoir en permanence une proposition qui puisse toucher un public large. Donc forcément qui touche aussi le jeune public. Il y a une espèce de chronologie dans le spectacle où on part donc du pavillon de l'oreille et comment ça fonctionne et comment ça rentre et comment ensuite dans notre cerveau ça va être interprété. Je me souviens qu'enfant, une nuit j'avais rêvé. Dans mon rêve, j'étais devenu petit, mais vraiment tout petit, tout petit. Et je me retrouvais devant une oreille, un gigantesque pavillon d'oreilles. Comme je parle d'un rêve dans le spectacle, il y avait l'idée que les enfants aient un petit support visuel pour imaginer avec moi ce rêve. Même si le support d'imagination, il doit être d'abord sonore, voilà, d'avoir un petit support visuel, ça aide. Donc on a un grand tableau avec des petits personnages, voilà, qui se baladent dans l'oreille. On est dans un espace poétique, en fait, hein. Moi, j'aime bien ce double regard et je crois que c'est une force de ce spectacle. C'est-à-dire qu'on peut le prendre comme un concert. Il y a évidemment une partie conférence qui explique le fonctionnement de l'oreille, mais aussi il y a quelque chose de sous-jacent qui n'est pas expliqué, pas du tout de façon didactique, mais qui montre aussi aux gens comment se fait la musique électroacoustique, avec l'utilisation du synthétiseur par Cécile, avec l'utilisation d'objets sonores, et puis l'utilisation des traitements, ça c'est le travail de Benoît. Je pense qu'il y a un rapport vu-son qui peut être captivant. De voir un objet comme ça, de l'entendre sonner de manière si riche et si intime parce que ça passe dans leur casque, ça a un côté un peu fascinant. Nous, on aime bien utiliser l'objet acoustique transformé parce que ça permet aux gens de comprendre, d'avoir un geste musical, d'avoir une liaison entre le geste qu'on est en train de produire et le son qu'on entend, même si parfois le son est surprenant. Le but, c'est qu'on voit la musique se faire et puis qu'on puisse aussi partir dans l'imaginaire que propose le sonore. Je crois que c'est aussi une des forces de ce spectacle-là. Notre oreille est d'abord faite pour entendre les voix humaines, pour entendre toutes les voix humaines. Comme il est beau, ce petit paysage. Je fais souvent ce rêve étrange et... C'est de rochers, c'est quelques arbres. D'une femme, et que j'aime. Et puis l'eau, et puis le rivage. Je n'ai chaque fois ni comme il est beau. Même. Qui se retourna, mais ne vit rien. Le rocher, c'est que... Très peu de bruit, un peu de vent, et beaucoup d'eau. Qui es-tu? C'est un petit paysage de Bretagne. Ce petit paysage. Il peut tenir dans le creux de la main. C'est de rocher, quand on le regarde de loin. Il y a aussi la volonté, comme il y a chez John Cage, de ressusciter une nouvelle écoute. Ça, le casque aide beaucoup à ça, parce qu'on place les gens dans une situation d'écoute inhabituelle. Il faut l'appréhender, ce son. D'où il vient, qu'est-ce qui se passe. Donc le visuel, du coup, est très important, parce que ça leur permet de voir qu'il se passe quelque chose et que ce son ne vient pas de nulle part, même s'il est très proche dans leur tête et au creux de l'oreille, justement. Deux coups de sonnette. Je suis dans la coquelette. L'eau est chaude, très chaude.
vais aller voir jusqu'au bout du tuyau. Tout le long de la cochlée, il y a une membrane qui flotte dans l'eau. Ce qu'on constate, c'est que les gens sont contents de l'apport pédagogique. Ils sont contents de sortir un spectacle en ayant à la fois ressenti des émotions et à la fois en pouvant dire « j'ai appris quelque chose ». Ça change un peu le rapport à l'écoute quotidienne. Tant mieux. Thank you.